Bonjour à tous et à toutes. Et nous voilà pour un nouveau épisode de Lego Une City. demi-journée de vacances. Youpi! Y a-t-il En une expression avant. plus belle que celle-là dans la langue française? Alors, avez-vous enfin attrapé ces clowns? Oui, chef. Allez donc débloquer la circulation sur le pont d'Auburn Bay. Les petits jeunes ont mis une pagaille monstre là-bas. Je ne crois pas que vous puissiez faire pire. Go. Hey! Bon travail! Une chance que nous ayons arrêté ces clowns braqueurs de banque. Sinon, ça aurait pu se terminer en cirque médiatique. Un cirque médiatique. Parce qu'ils étaient habillés en clowns. Tu ouais, comprends? Compris. Oui, bah oui. Comme au cirque. C'est allumé ce truc? Oui, c'est allumé. Alors, allez, du coup, ça c'est la chance sur le pont. Où est ce fichu bâtiment? Ok, c'est où? Ah, il faut une voiture déjà. C'est pour la police. Alors, toutes les voitures ne roulent pas de la même manière, ça faut tout de suite. Voilà, donc moi j'espère que vous allez tous bien. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et me dire où vous en êtes dans le jeu, si vous aimez. Ça me fera plaisir. On peut sauter. Ah mais il est là-bas le pont. Ouais. Là, je fais ce que je veux. Je fais un clic. Hop là. Alors, point de contrôle atteint. Sauvegarde. Vous savez conduire, hein? Vous devez m'aider. Pas de soucis. Vous, à gauche et en avant. Vous, en arrière et à droite. Vous, à gauche puis à droite. Et un peu plus à gauche. Vous, continuez comme ça. J'aime votre style. Je vais avoir besoin de votre voiture. Merci. Natalia! Ça ne te suffisait pas d'avoir détruit ma vie? Tu es exactement comme dans mes souvenirs. N'essaie pas de me faire ton numéro de charme. J'ai dû changer d'identité à cause de toi. Et j'ai même dû changer de couleur de cheveux. T'étais pas déjà blonde avant? Ah, toi! Je me rends chez mon père pour lui dire au revoir, et ensuite je quitte Lego City. Hé, hey, est-ce que je te reverrai? Jamais! Bah, super intéressant. Chase, qu'est-ce qui s'est passé avec l'embouteillage? Oh, juste un véhicule hors de contrôle. C'était rien, je m'en suis occupé. D'accord. Mais il va me falloir une nouvelle voiture. J'ai perdu la mienne. En fait, c'était même pas la mienne. Aucun problème. Franck en perd à peu près deux par semaine. Il y a une borne d'appel de véhicules de la police à côté d'un petit resto, plus au nord. Mais ça fait un moment qu'elle est hors service. Et vous voudriez que je la répare? Vous comprenez vite, Chase. Ouais, comment j'y vais? Vous êtes bien gentil, vous. J'y ai la patte. Vous avez vu comme c'est loin? Évidemment, il n'y a pas une seule voiture. Ah non, ça va, c'est à côté. J'ai eu peur. Ok, un copain encore. Ah bah, c'est là. Dîner. Ok.
Bonjour. Pourriez-vous me renseigner sur cette vieille bande d'appel de véhicules? Je n'ai pas la tête à ça. Mes pompes à essence, elles sont en pièces détachées. Et sans pompes à essence, pas de clients. Mais grâce à notre célèbre tourte aux œufs marinés, ils ont toujours des gaz. Si vous les réparez, je vous récompenserai. Ok. Bon, c'est pas compliqué, il suffit d'appuyer sur A, hein, j'imagine. Ça y est, je suis ruiné, je vous dis. Et là. C'est une catastrophe, un désastre. Oui, ouais, ça va, n'inquiétez pas. La police est là pour rectifier ça. Vous avez réussi! Mon resto est sauvé! Que puis-je vous offrir? Une glace, un hot dog, glacé! J'en ai pas mal en réserve, vous savez. Oh, je sais! Je vais vous donner cette super brique! Elle vous aidera à reconstruire cette borne d'appel de véhicule, et je crois qu'il y a une autre super brique quelque part dans les parages. Merci! Est-ce que je peux, il en faut deux? Alors, bon appel. Ah, en fait, j'ai bien fait d'en prendre le truc, là. Waouh, c'est super! Hé, je perds tout mon argent, là. Ah. Faut bien ramasser de temps en temps les trucs, hein. Je me rends compte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là? Ça. Ah, c'est la banque. Bon, bon ok, faut quand même tout faire. On voit pas les plus vite, c'est chiant ça. Vous demandez si des véhicules, ok. Ah, bah, de toute façon, j'ai un d'autre. Le jeu du syndicat, vous appuyez sur A. Alors, c'est quoi ça, voiture de... On peut choisir ses couleurs. Pareil, quoi, carrément. Hé, hey, Chase, j'ai une autre affaire pour vous. Des voleurs se sont barricadés au sommet du bâtiment de Lego City TV. Nos agents n'arrivent pas à les atteindre.
Et comment pourrais-je les aider? Je ne sais pas voler, vous savez. Oui, mais mon oncle Duke est le shérif du parc national de Bluebell. Il a récupéré d'anciens pistolets grappins de la police, bien pratiques pour escalader des bâtiments. Et pour en tomber. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a arrêté de les utiliser, non? Bon, si vous ne pensez pas être capable de vous en servir... Oh, mais j'en suis capable. Super! Je vais prévenir mon oncle que vous arrivez. On y va. Non, c'est ça, oui. Je ne sais pas pourquoi ils sont dans les voitures. Je préfère jeter à quand même. Pour sentir. Elle est une bourre. Pouvoir sauter là. Comment on fait le micro? Bonjour, je m'appelle Chase. Elliot de vous dire que j'arrivais. Bien sûr que oui. Ravi de vous rencontrer, Chase. Je suis Duke Huckleberry et je suis tout sur vous. Franchement, je sais bien que vous aviez fait une erreur. Mais vous exiler comme ça, c'était quand même sévère. Surtout que c'est grâce à vous que ce témoin s'était manifesté à la base. Oui, eh bien, j'en ai tiré une bonne leçon. Je ne referai plus une chose aussi stupide. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Vous auriez un pistolet grappin pour moi? Oh, mais bien sûr! Allez, prenez donc un de ces fichus gadgets à la noix. Ils m'ont servi à rien face à la vieille Bessie. Hein? Un bar rayé, gris, à peu près grand comme ça. Waouh! Quoi? Non, rien. Enfin, va falloir que j'y aille. J'ai des voleurs à arrêter. J'adore l'humour dans les... Je comprends. Bonne chance avec le pistolet grappin. Faut utiliser ces machins avec précaution. Comment on s'en sert? Ah mais oula d'accord, on tire directement en fait. Est-ce qu'il y a un truc bleu en hauteur? Hey Chase, il y a un problème. Ah, je me disais aussi que tout se passait étrangement bien. Quel est le problème? Nous avons des rapports contradictoires concernant le bâtiment sur lequel les voleurs se trouvent. Le chef a envoyé une patrouille à pied pour les localiser. Mais vous devriez pouvoir accélérer les choses. Essayez de monter sur le toit du fast-food que j'ai marqué sur votre carte. Après, j'utiliserai mon scanner pour repérer le bâtiment où ils sont, c'est ça? Exactement. Bonne chance, Chase. Thank you.
Un peu d'argent, s'il vous plaît. Merci. J'ai besoin de pognon. Ah, là. Ah, en fait, on monte tout seul après. Ok, cool. Oui, un cheval. Je peux le prendre. Non. Dommage. Bon, on fout dans la voiture. Tout après. Hein. Oh, oh. Oh, tout en bas. Désolé. GTA, on va prendre le très lent. Je vais mettre le bouton. Record, ok. Oh. Ah, mais c'est Y. Ok. Cool. Cool. Oh, marron. Ça c'est un GTA ça, on n'a pas de doute. Ok, bon c'est chiant, c'est Y, faut je fois bouger là les doigts, mais bon. On repart en ville. On y va. Et on va. Oh là, on se calme. Oula, j'ai failli me faire avoir comme un con. Hey. Ils sont là, là. Ah oui. Ah, va-t'en, je me suis. Les deux. Ah ouais, je suis trop fort. Le dérapage. Ok. Je suis entendu à la voiture, on va se mentir. Attends là. Garde les yeux sur la route, Chase. Oh, je suis bon. Je suis arrivé, c'est dégueulasse quand même. Localiser. Ok. Donc faut monter sur le truc. Mais oui, on voit comment on monte là-dedans. Si je me suis galé.
Autrement dit, il fait tout seul, d'accord. Par exemple, d'appuyer sur un bouton. Cool. Ah là, c'est là qu'il faut que j'aide. Ok. Bien, voyons voir où sont planqués ces voyous. Alors ça, j'arrive jamais à m'en servir ce machin, j'ai toujours pas compris. Ah, ils sont là. Trouvé. Il est temps de faire tomber le crime dans l'abîme. Je ferais peut-être mieux d'éviter les répliques bidons. Je suis d'accord. Ellie, j'ai localisé les voleurs, mais je vais plutôt escalader le bâtiment à côté du leur. Comme ça, je pourrais sauter sur eux depuis le toit et bénéficier d'un effet de surprise. Ou bien, si je rate mon saut, d'une semaine d'arrêt de travail. Profitez des bons petits plats de l'hôpital, Chase. Ah, ça fait moi regretter d'avoir exposé ma voiture. Donc, par où on monte ? Mais comment peut-on rentrer dans un pont ? On ne se jette quand même pas devant un bateau. J'adore les chips. Et qui veux-tu ? On monte par là, ok. Oups, on se calme. La saute, voilà. Ah. Mission spéciale, barrage sur les tours. Celui qui avait arrêté Rex Fury la première fois, c'est aussi l'un des meilleurs amis, même si je n'ai rencontré que cette semaine. D'accord. Il vaut une fois, c'est déjà son meilleur ami. Chance que je n'ai pas le vertige ou je ne sais quelle phobie ridicule. Ah, buenos dias. Ah, un perroquet espagnol. Je suis plus aussi souple qu'autrefois. Je crois que je vais m'évanouir. Pourvu qu'il y ait un passage pour atteindre ce bâtiment. Oh, certainement. Ce pistolet grappin est génial. Oh. Ah, par contre, c'est pas moi qui fais. J'ai quand même un peu la nausée là. Ah d'accord. Faut quand même que je l'aide. De toute façon, ce mobilier était bien trop kitsch. Ah bon, bon, ça allait. Dans mon milieu de jardin, on va pas s'embêter, hein. Oula ! Superman. Oh putain. Trop fort, le mec. Hé ! Y a un flic en dessous ! Vite, fichez tous le camp ! Je ne laisserai pas ces voleurs s'échapper. Thank you.
Appuie sur B face à un objet. Oh, trop classe. Ne tombe pas. J'ai peur. Bon alors. Tiens. Un de moi. Aux autres maintenant. Alors où sont les autres? Ils doivent être là-haut, je suppose. Sauter sur le câble pour franchir, ok. Non, mais si je devais regarder, je regarde avant. Je sais plus. On a deux câbles. Sauter sur les câbles. Ah, c'est tout seul, classe. Trop fort le mec. Waouh, je savais même pas que j'étais si bon gymnaste. Et moi donc. On va faire un transfert quand même. Ah non, faut monter. Ah ouais d'accord, je suis tout seul. Oh, mais là, j'ai pas vu. Et de deux. On peut poser logiquement. Mais non. Hop, il est là-haut. Non! Tombe pas. Ah, t'es sous les fesses au bouton, il n'y a pas de direction à faire. Tiens. Et voici le numéro 3. Il ne reste plus que leur chef. Hop là. Hop là, glissade. Alors, pour rebondir, appuyez sur B pour chaque saut. D'accord. Stop! Je crois qu'il va être un peu plus dur à attraper. Mais non. Mais quel con. Bah si. Mais... Ah mais je suis pas sûr. C'est quoi ces caméras de... Ah
J'en sais rien, mais j'imagine qu'il est là-haut. Hein. Waouh, ça c'est du panorama. Même pas. Bah il est où là? C'est aussi cette caméra, on voit rien, caméra de merde. Hop là! Oula, j'ai fait belle. Adieu, petit flic. Bonne chance pour grimper jusqu'ici. Je peux voir celui qui paraît être le chef de cette bande de voleurs. Debout, sur un des toits. Il semble faire un signe de la main à quelqu'un. Il en faut plus que ça pour m'arrêter, monsieur. Pourquoi ai-je ouvert mon clapet, moi? Attendez, je viens de voir un agent de police de Lego City se lancer à l'assaut. Je dirais que la poursuite va se conclure par une arrestation. C'était Conrad Peters, en direct pour les infos de Canal K. Ça, c'est bien les États-Unis, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ou je crois qu'on va rebondir. Non mais allez, abandonnez quoi. Alors, oh, t'enlèves toi, faut peur. Hop là. Où il est? Suspense. Au secours! Je vais pas tomber! J'ai une famille de poissons rouges! Attrape! Dis-moi pour qui tu travailles. Georges! George Fardarbensonbury. Non, en vrai. Je peux pas le dire, il me mettrait en pièces. D'accord, je travaille pour Rex Fury. Rex, où est-il? Je sais pas, je vois jamais, il me téléphone seulement. Alors qui le saurait? Attends, peut-être Blue, il passe des trucs en fraude à la prison d'Albatros. Va le voir, me laisse pas tomber. Tu sembles très bien informé. C'est vrai. J'ai le bras long, hein? Non, plus vraiment. George Fardarbensonbury. Eh, hey, ça faisait un bail, Dave. Ah, toujours l'humour, hein. New terminé, cool. Continue l'histoire. Ok, 6. Ça va? Bon, c'est le premier monde, ça, apparemment. Si vous prenez un taxi, dites-lui de vous emmener quelque part et con dans les voies taxis. Si vous cherchez un lieu à l'étranger, soyez sûr de fermer les fenêtres. Hein? Bizarre. Je crois que c'est comme dans GTA en fait. Hein. Ils ont trop copié. Ah ok, on peut monter maintenant. Super classe. Vous permet d'effectuer des figures acrobatiques et accéder ainsi à des nouveaux endroits. Ok, merci. Les icônes rouges, la minicap indique les niveaux terminés. Où vous pouvez retourner jouer. Ok. Choisissez l'icône de la carte et appuyez sur B pour jouer ce niveau. Ok. Chapitre 3. Aller directement en prison, sans passer par case départ. Hey, Chase! Je viens de vous voir aux infos à la télé. Vous aviez l'air palichon.
Alors, vous êtes sur une piste? Oui, droit vers la prison d'Albatros. Savez-vous comment je peux m'y rendre? Ouh, ça va pas plaire au chef. Pour lui, l'évasion de Rex est une affaire close. Et si le chef n'était pas mis au courant? Je sais pas. Je vais lui demander. Non, attendez. Dites, y a-t-il moyen de se rendre là-bas sans que le chef l'apprenne? Alors, il y a effectivement un moyen pour ça. D'abord, vous prenez le ferry à l'embarcadère, derrière le commissariat. Et ensuite? Vous n'en dites pas un mot au chef! Merci, Franck. On se revoit plus tard. Ok, bonne chance! Et si vous appelez Ellie, dites-lui salut de ma part! Il fait un peu l'idiot, je trouve, quand même, lui. Hein. Donc, derrière le truc, il y a un... Ou un commissariat, alors. Hein. Au commissariat. Parce qu'il y a... Derrière, il y a... Mais c'est moi, ça? Ok. Citoyen, policier. Ok, d'accord. Hop là. Donc avant tout, bah je crois qu'on va quand même se terminer là l'histoire. Hein. Puisque ça fait quand même une petite demi-heure. Donc moi, bah, je vous dis merci. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de l'aventure. Ainsi que tous les autres jeux hein, qu'il y a ou qu'il va avoir. Je tiens à vous en remercier et à la prochaine fois. Merci, au revoir.